Suddenly pieces all back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Donc je voulais vous présenter une petite vidéo sur un petit cadeau que j'ai eu, donc sur le Paro Swing, donc un drone. Ici vous pouvez le voir sur sa boîte, on a ce drone donc qui peut être mis en deux positions. Et ne vous étonnez pas, j'ai des lunettes de soleil parce que en fait je suis une personne malvoyante. J'ai une maladie donc héréditaire qui s'appelle donc la maladie de Leber, une maladie rare et une maladie orpheline. On a un petit reste visuel qui permet en fait de faire différentes choses par rapport à une personne non-voyante. Et mon rêve était d'avoir donc un drone que je pourrais éventuellement faire voler. Alors le Paro Swing, j'ai pu donc le faire voler. Le faire voler, c'est un grand mot. Je vous montrerai certaines images dans la vidéo où quelqu'un le fait voler à plus de 60 mètres, puisque le drone en lui-même a une possibilité avec sa manette. Ici, je vous ouvre. Alors, je l'ai déjà en fait enlevé de sa boîte pour vous éviter l'unboxing. Mais simplement, je vous montre l'intérieur de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte? On trouve ici le drone. Plus à la droite, on trouve le flypad, ce qu'on appelle. En fait, c'est une télécommande ici. Attends, je vous le dis. En fait, donc, c'est une télécommande qui va permettre de faire voler le Paro Swing. Et cette télécommande, en plus, est compatible avec tous les produits Paro. C'est une très belle télécommande. Je vous la montre ici en vrai. C'est une très belle télécommande. Donc, elle se connecte en Bluetooth à partir de l'appareil. On a ici un support pour le smartphone. Alors, c'est vraiment super génial puisque lorsque, vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, lorsqu'on fait voler le drone, on a une possibilité d'avoir un visu avec son smartphone ici. On peut voir sur la boîte les deux positions donc de l'appareil. On peut le mettre en mode drone ou ce qu'on appelle en mode avion. Ce mode avion permet au drone donc de voler à 30 km/h et d'être entièrement contrôlable. En mode drone, vous allez voir que l'appareil est complètement stable et même en tant que malvoyant, on arrive à le gérer à 1 ou 2 mètres de soi. Alors malheureusement, je n'ai pas la possibilité de le faire voler très loin de moi puisque je vois à peu près à 1 mètre ou maximum à 2 mètres de moi. Donc je vais vous montrer qu'il vole tout près de moi. Mais je vous montrerai dans la suite de la vidéo une image où le drone vole en mode avion. Ici donc dans la boîte, on rencontrera ici le drone et une petite boîte avec à l'intérieur 4 hélices de rechange au cas où vous avez planter le drone et vous en avez 4 de rechange. Je vous le montre ici en gros, en vrai, c'est le Paro Swing. Vous pouvez voir que on a une petite batterie et cette batterie permet au drone de voler pendant 7 minutes. Alors c'est pas énorme en termes de vol, mais vous avez la possibilité d'acheter plusieurs batteries comme celle-ci. Je vous mettrai les références. Moi-même ici, j'en ai fait un achat avec un kit chargeur batterie. Pour à peu près 25 € le chargeur plus la batterie. Alors c'est assez appréciable puisque ça fait 2 batteries de 7 minutes, ça fait un quart d'heure de vol lorsqu'on a fait voler son drone pendant un quart d'heure. C'est assez sympathique en fait. Ici, lorsqu'on enfonce la batterie, on a 2 petites LED vertes que l'on voit clignoter ici. Et on voit donc les 4 hélices ici. Franchement, ce drone est excellent. Pour une personne malvoyante et faire voler, avoir les sensations de faire voler un drone, je vous assure que ça m'a rendu vraiment heureux, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir volé un drone à 1 mètre, 1m50 de moi. Et franchement, j'en suis super heureux. Certains de mes abonnés savent que je suis une personne malvoyante par rapport à mes vidéos. D'autres qui vont venir voir cette vidéo ne le savent pas. Mais oui, je suis donc une personne malvoyante et j'arrive à faire voler ce drone. Et vraiment, je suis ultra content. On va passer donc à une démo concrète. Merci à vous de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Éventuellement, de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre pour dire que le Paro Swing peut faire plaisir à une personne malvoyante. Et même sans que vous soyez malvoyant, si vous faites donc l'achat de ce drone, le Paro Swing, franchement, vous n'allez pas être déçu. La stabilisation, le mode avion, le mode drone, vraiment,
beaucoup de choses par rapport à ce drone qui fait vraiment plaisir. Donc on va rentrer tout de suite dans le mode de la vidéo et le mode de vol de notre Parrot Swing. A tout de suite pour la suite du tuto. On a ici le bouton qui est au centre qui permet de faire décoller. Si j'appuie dessus, vous allez voir que le drone va décoller à 1 mètre du sol. Par ici. Vous pouvez voir que je mets le drone juste au-dessus de ma tête, comme vous pouvez voir ici. Et vraiment, c'est des sensations super géniales. On peut lui faire faire un looping complet. En appuyant sur le bouton, on peut faire que le drone atterrisse tout seul. On peut le refaire redécoller. Le faire donc tourner. Le faire aller donc sur les côtés. Ici, ici. Et toujours donc avec la manette. Je vais vous montrer que ici, on va le faire atterrir. C'est vraiment super génial. Vraiment, je vous conseille ce drone par sa stabilité ici. Comme vous pouvez voir, regardez ça. On a vraiment une possibilité d'avoir le drone à proximité de son visage. C'est vraiment ultra génial ici. Regardez ça. Une stabilité comme ça, je ne l'ai jamais vu sur aucun drone. Je vais vous montrer aussi l'application sur smartphone. Et à la suite de la vidéo, vous allez voir le drone qui va vraiment voler en mode avion. Merci à vous de regarder cette vidéo et à tout de suite pour la suite. Après donc avoir téléchargé l'application Freeflict Mini, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et puis ensuite vous mettez votre drone dessus. Ça veut dire que cette application est accessible iOS et Android. Ici, une fois l'application ouverte, vous avez accès à différentes choses. Si vous avez ouvert un compte chez Paro, pas de problème, vous pouvez après commander vos hélices par rapport à vos drones. Comme vous pouvez voir, l'intégralité de la manette est ici sur l'écran de votre iPhone ou sur l'écran de votre Android. Donc pas de problème. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne année puisque on est le 1er janvier. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Et
de la partager. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.